Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Exode. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, versets 7 à 8. 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser les oppresseurs, ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. 8. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Canaéens, les Éthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubisiens. Alléluia. Ici, l'Éternel est en train de parler en disant que j'ai vu les souffrances de mon peuple et j'ai vu les souffrances de mon peuple en Égypte et j'ai entendu leurs cris. Leur cri est arrivé jusqu'à vers l'Éternel. Dieu a vu et entendu. Et Dieu a dit, je connais leur souffrance, je connais leur peine, je connais leur difficulté. J'ai vu leur souffrance et je suis descendu. Descendu pourquoi? Pour donner un nouvel endroit, pour nourrir un nouvel pays, un endroit dont coule le lait et le miel. Un pays qui est habité par des nations que vous avez, des gens, des tribus qu'on a citées. Mais Dieu a vu le souffrance de son peuple, a décidé de descendre pour secourir son peuple. Car ses cris est venu jusqu'à lui. Et ce que nous avons commencé à apprendre la fois dernière, sur les secrets de combat de l'Éternel, Dieu a agi à travers un homme. Mais pendant le temps que nous avons appris, Dieu opérait à travers une personne. Une personne ne connaissait pas Dieu, Moïse. Lui qui n'était pas esclave, mais il a pris le risque de tuer un Égyptien et il était chassé de l'Égypte. Mais si Dieu entendait de parler, qu'il a vu les souffrances de son peuple et il a entendu son cri, ses cris, et il est descendu. Peuple de Dieu, nous devons savoir, dans la vie d'une personne, lorsqu'il y a des combats, lorsque tu te bats et tu veux avoir des résultats, à un moment donné, on se pose des questions. Est-ce que Dieu voit-il mes problèmes? Est-ce que Dieu connaît mes problèmes? Est-ce que Dieu maîtrise mes problèmes? Lorsque Dieu commençait à agir et à répondre, cela veut dire que cette souffrance-là a duré des années et des années. Il y a certaines situations, quand on prie, quand on demande à Dieu, on veut directement avoir des résultats. C'est comme si Dieu ne répond pas ou ne voit pas. Mais ici, Dieu est en train de parler. Même si Israël ne cessait de prier, même si Israël a abandonné, mais Dieu a entendu de parler à Moïse. J'ai vu les souffrances de mon peuple et j'ai entendu leurs cris. J'aimerais changer leur situation, faire quitter l'Égypte et amener dans un pays dont coule le lait et le miel. Alléluia. Vous devez savoir, peuple de Dieu, que dans chaque combat dans votre vie, pour que Dieu puisse t'utiliser, Dieu a besoin que tu sois, que tu ailles, tu aies aussi l'expérience des combats. Vous avez se rendre compte, dans des grands combats, on n'envoie pas n'importe quel soldat. On envoie un soldat qui est préparé pour aller combattre. Mais Dieu savait déjà combattre. Laisse-moi te dire, peuple de Dieu, si vous êtes ici, si notre Dieu est Dieu victorieux parce qu'il a combattu quelque part. Alléluia. Laisse-moi t'expliquer. Un homme qui vient ici à Saint-Brie et qui nous dit qu'il est champion. On va lui poser rapidement des questions. Tu es champion en quoi? Où est-ce que tu as combattu pour avoir la victoire? Et notre Dieu avait l'habitude de combat. Il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Vous devez savoir une chose, peuple de Dieu. Dans ta vie, dans notre vie, dans les réalités que nous sommes en train de traverser, notre Dieu, c'est un Dieu de combat. Étant donné que notre Dieu, c'est un Dieu de combat, vous et moi, nous sommes appelés à avoir l'expérience de combat. Cela veut dire, celui qui a déjà l'expérience de combat, il peut combattre aussi autre chose. Alléluia. Et lorsque j'aimerais faire comprendre le peuple de Dieu, au moment où David combattait Goliath, il avait l'expérience de combat. Non pas avec Goliath, mais il a dit devant Goliath,
Tu viens avec des javelots, tu viens avec les épées, l'épée, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Non seulement il disait qu'il vient au nom de l'Éternel. David se souvenait de ses combats. Il a dit, lorsque un lion attrapait un brebis, j'ai récupéré ces brebis dans la guerre de lion et j'ai déchiré le lion. Cela veut dire, David avait déjà l'habitude de combattre. Cela veut dire, l'habitude de David a fait en sorte que David savait et qu'au nom de l'Éternel, il ne peut pas avoir peur de Goliath. David savait, ce n'est pas la taille qui me fait trembler, parce que moi je sais, si cet homme se trouve face à un lion, il peut être dévoré. Mais moi, je me suis battu avec un lion et j'ai déchiré la guerre le lion. Peuple de Dieu, nous devons savoir une chose. L'expérience de ta vie dans tes combats fera en sorte, lorsque un combat viendra dans ta votre vie, que première chose, que tu ne puisses pas avoir peur. Deuxième chose, que tu saches, avec Dieu, je ne chouerai jamais. Et que tu saches, avec Dieu, peu importe la force ou la manière dont le combat peut durer, je finirai par être vainqueur. L'expérience de combat te permettra, dans tes combats de prière, dans tes combats, quand tu cherches la force de vaincre et de gagner, tu sauras toujours comprendre qu'avec Dieu, je finirai par être victorieux. Alléluia. Pourquoi Dieu nous parle de cette lecture? Parce qu'il a vu la souffrance de son peuple. Revenons maintenant en arrière. Israël a fait 430 ans. Est-ce qu'avant Dieu ne voyait pas la souffrance de son peuple? Alléluia. Et la Bible me dit une chose, chaque chose a son temps. Il y a un temps de pleurer, il y a un temps de se lamenter. Sache aussi, il y aura aussi un temps de la victoire. Il y a un temps de graissement des dents. Sache aussi, il y aura un temps de la joie. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, par la puissance et par la grâce de Dieu, l'Éternel t'amènera dans les camps de la joie pour dire, le temps de plaire est déjà passé, maintenant je dois obtenir ma victoire. Le temps d'échouer est déjà passé, maintenant je dois vaincre au nom de l'Éternel. Cela veut dire, nous devons savoir, aujourd'hui, notre thème s'intitule l'expérience du guerrier de l'Éternel. L'expérience du guerrier de l'Éternel. Vous savez, c'est lui qui a l'expérience de vaincre. Même si tu lui amènes quelque chose qui est plus fort, il dira, je vais gagner, non pas par rapport à moi, mais au nom de l'Éternel. Ce qui a fait David qu'il soit fort. La Bible dit, Israël était réuni. Il y avait des rois, il y avait des soldats les plus aguerris. Mais ils avaient l'expérience, mais il manquait l'Éternel. Alléluia. Vous pouvez avoir l'expérience des combats charnels, mais vous pouvez manquer l'expérience des combats spirituels. Et la foi de nous, nous avons appris, la guerre contre Amalek se jouait à deux plans. Sur les plans charnels et sur les plans spirituels. Alléluia. La guerre se jouait sur les plans charnels et sur les plans spirituels. Cela veut dire, lorsque la guerre se joue sur les plans charnels, il y a des choses que vous allez voir, les actions dans votre corps. Ça peut être la maladie, ça peut être aussi la souffrance. Mais il y a aussi certains combats où vous ne sentez rien. Vous n'avez aucune maladie, aucun problème. Mais spirituellement, il y a des combats. Spirituellement, il y a des combats. Et quelqu'un te voit comme ça, bien habillé, en pleine forme, mais il ne sait pas que tu as des combats. Mais sache, peuple de Dieu, un combat charnel, tu peux se battre, tu connais l'ère du début et tu sauras aussi comprendre l'ère de la fin. Mais un combat qui est spirituel, tu ne pourras pas savoir quand est-ce que cela pourra finir. Parce que tu peux être dans le combat et vivre dans l'ignorance. L'ignorance, cela veut dire quoi? Je suis en combat, mais je ne pense même pas à faire des efforts pour combattre encore, pour avoir la victoire. Je ne pense même pas à chercher l'Éternel pour avoir la victoire. Donc, ça dit la même situation que tu vis, mais quelque part, tu ne peux pas fournir les efforts pour avoir des changements. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un l'expérience d'un guerrier de l'Éternel. Parce que l'Éternel, ton Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu qui aime les défis. Alléluia. Notre Dieu, ton Dieu, c'est un Dieu qui aime les défis. Lorsqu'il envoya Moïse, il a dit à Moïse, va en Égypte, va libérer mon peuple. Mais sache une chose, je rendrai le cœur de Pharaon très dur. Alléluia. Va libérer mon peuple. Mais sache une chose, je rendrai le cœur de Pharaon très dur.
Cela veut dire, dans ta main, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse a dit, mais comment? Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Parce que je sais déjà, les peuples hébreux sont les peuples pitétus. Ils sont souffrants, ils vivent dans l'esclavagisme. Même lorsque j'avais tué quelqu'un, il n'y avait personne qui pouvait venir pour me soutenir. Moïse a dit, Moïse a parlé à l'Éternel ainsi. Et Dieu a dit à Moïse, parce que si Dieu a visité Moïse, parce que Moïse avait une expérience de combat. Il a accepté d'être dans la nation de Dieu, d'abandonner la royauté de Pharaon. Et Dieu comprenait, Dieu peut agir seulement dans la vie d'une personne qui comprend l'intérêt ou la puissance que Dieu peut réaliser dans sa vie. Alléluia. Si tu ne comprends pas comment Dieu peut agir dans ta vie, mais Dieu peut agir dans la vie d'une personne qui parvient à comprendre qu'avec Dieu, avec l'Éternel, je vais faire des exploits et mes ennemis seront écrasés. Mais si une personne ne parvient pas à comprendre cela, il ne peut pas oser aller combattre avec l'Éternel. Et l'Éternel a dit à Moïse ceci, lorsque les enfants d'Israël vont te demander qui t'a envoyé, dis-leur que je suis celui qui suis. Alléluia. Laisse-moi te dire, ton Dieu est là. Laisse-moi te dire que ton Dieu vit encore. Laisse-moi te dire que nous prions un Dieu véritable. C'est pour cela qu'il nous a dit dans cette église, je vis encore. Alléluia. Cela veut dire, si tu comprends l'expérience de combre, de guerrier de l'Éternel, si tu comprends ces messages, tu dois savoir une chose. Vous savez, il y a des fois, moi aussi, je peux avoir des peines, des souffrances en pensant pourquoi tu nous as laissés. Mais Dieu peut te parler de la manière dont tu ne penses pas. Dieu peut te dire des choses de la manière dont tu ne penses pas. Lorsque toi, tu penses à la mort, c'est la fin. Lui me dit, la mort, après la mort, c'est la résurrection. Lorsque toi, tu penses, la maladie, c'est une fatalité. Lui me dit, la maladie, c'est une guérison. Lorsque toi, tu penses que l'échec, c'est la fin, lui dira que celui qui descend en bas peut monter encore en haut. Il prend en bas et il fait remonter vers là-haut. Il prend le pauvre, il ramène la richesse. Il peut prendre un riche et lui rabaisser vers la pauvreté. Alléluia. Guerrier de l'Éternel, comprenez, peuple de Dieu, que vous devez savoir que ton Dieu, c'est un Dieu de défis. Ton Dieu, c'est un Dieu de défis. Il a dit, j'ai rendu le cœur de Pharaon dur. Laisse-moi te dire, peuple de Dieu, un sorcier ne peut pas te laisser facilement. Un sorcier, s'il échoue aujourd'hui, demain, il va tenter encore de faire un autre schéma pour t'attaquer. Mais notre Dieu, comme c'est un Dieu de défis, il va encore accepter ces défis, car il sait, à la fin, ils finissent toujours par vaincre. Alléluia. Nasuka longera toujours. Lorsque les gens qui aiment regarder des cinémas, des films, regardez un film. Ce qui compte dans un cinéma, ce n'est pas ce qui se passe dans ce cinéma. Ce qui compte dans ce cinéma, la fin de ce film-là. Comment ça va finir? Cela veut dire, notre Dieu, c'est un Dieu de défis. Peuple de Dieu, vous devez comprendre cela. J'aimerais expliquer une chose. Et l'Éternel a posé à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse a dit, j'ai un bâton, comme d'habitude, comme je suis élevé. L'Éternel lui a dit, jette ça en bas. Et Moïse a jeté ses bâtons et ce bâton est devenu un serpent. Il a dit, prends cela par la queue. Moïse a pris cela par la queue et devenu encore un bâton. Il dit, maintenant, va à l'Égypte, va libérer mon peuple. Peuple de Dieu, j'aimerais faire comprendre l'expérience du guerrier de l'Éternel. J'aimerais faire comprendre certains mystères. Moïse qui était venu libérer les enfants d'Israël, n'est-ce pas? Et lorsque Moïse est arrivé, Moïse commençait à discuter avec Pharaon pour la libération des enfants d'Israël. Vous devez savoir, la libération n'était pas facile. Parce que Pharaon ne voulait pas céder tout simplement dans des choses que ses magiciens étaient capables de faire. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Donc c'était un combat force contre force et puissance contre puissance. Ne pense pas, peuple de Dieu, qu'un miracle de ta vie peut intimider Satan. Cela veut dire que Satan aussi peut faire des miracles. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Alléluia.
Un miracle ne peut pas intimider. C'est pour cela que l'Éternel, comme il aime des défis, il a dit, j'ai rendu le cœur de Pharaon très dur. Il y a quelqu'un ici, dans ce lieu. Moi, je peux réclamer dans ta vie. Je dis que cette fille, cet enfant, c'est un enfant de Dieu. Vous savez, qu'est-ce qu'on dit dans les systèmes familiaux de la société de votre famille? On nous dit aussi, il est notre enfant. Alléluia. Si je prie, je dis que cette malédiction doit la quitter. Et ils disent, non, cette malédiction ne peut pas quitter dans cet enfant. Parce que nous, dans notre lignée, c'est comme ça. Mais notre Dieu, il aime des défis. Cela veut dire, le défi de l'Éternel, lorsque l'Éternel commence à lancer les défis, cela veut dire, l'ennemi finira par céder. Alléluia. Et Moïse, face au Pharaon, il a pris son bâton, il a jeté. Il a dit, Pharaon, tu ne veux pas accepter de libérer les enfants d'Israël. Voici ce que je te montre comme un miracle. Et la Bible dit, son bâton est transformé en serpent. Mais Pharaon a regardé et a dit, regarde cet homme. Est-ce qu'à travers ces miracles, moi, je peux laisser des gens qui ont resté des années dans ma vie? Laisse-moi t'expliquer encore. La malédiction peut en rester 4 générations dans votre vie. Ne pense pas que par facilité, par simplicité, que l'ennemi va accepter de quitter ta famille et les libérer toute ta génération. Cela veut dire, vous devez savoir que c'est un grand combat qui nécessite beaucoup d'expérience pour que tu sortes victorieux. Et Pharaon a regardé, il dit, non, ça c'est rien. Appelez-moi des magiciens qu'ils viennent ici. Jetez aussi vos bâtons. Alléluia. Et la Bible me dit, ces bâtons étaient transformés en serpents. Mais une chose est vraie. Comme je viens de dire que notre Dieu, c'est un Dieu de défis. Le serpent de Moïse a avalé tous les 2 serpents. Alléluia. Le serpent de Moïse a avalé tous les 2 serpents. Cela veut dire, l'expérience des guerriers, face aux guerriers sataniques, face aux guerriers diaboliques, nous finirons par avaler, par détruire toutes les puissances maléfiques et diaboliques, parce que notre Dieu est le plus puissant. Je ne sais pas, le serpent qui t'accompagne va avaler tous les serpents de destruction qui viennent influencer votre vie, va détruire toutes les semences maléfiques qui vont influencer votre vie, parce que notre Dieu, ton Dieu, c'est un Dieu de défis. C'est pour cela que quelque part la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Résistez-lui, il fuira loin de vous. Vous savez, qu'est-ce que l'ennemi veut? Quand l'ennemi te tape quelque part, il veut que tout simplement que vous puissiez lâcher. Parce que si vous avez lâché, si vous avez abandonné, cela veut dire la continuité, la victoire qui est derrière cette combat, tu ne peux pas voir ça. Alléluia. Nazolobali bosoe avina yezane longa. Expérience dans Yosanini. Ton expérience c'est quoi? Laisse-moi, je vais t'expliquer. Peut-être toi-même tu ne te rends pas compte que tu as fréquenté ou fait beaucoup d'expériences. Les jours de ta naissance, quand tu étais jeune, tu pouvais mourir. Mais Dieu t'a donné la victoire. Plusieurs fois tu étais malade. L'ennemi même a préparé ta mort par rapport à cette maladie. Mais Dieu t'a donné la victoire. Tu dois savoir ce que tu as déjà fait, ce qui s'est déjà passé. Il y a quelqu'un ici, il a traversé un moment de santé difficile. Même le pronostic des médecins était incorrect par rapport à son faveur. On lui a dit, tu ne mourras jamais, tu ne vivras pas. Cette maladie va t'amener à la mort. Mais tu vis encore. L'expérience des guerriers de l'Éternel. Que certains combats qui viendront après votre vie, sers-toi de toutes ces réalités que tu as traversées pour taper maintenant l'ennemi. Sers-toi de ces expériences-là pour faire terrasser Goliath. Sers-toi de cette influence-là pour dire, moi je n'ai pas peur. Des sorciers de ma famille n'ont pas pu réussir me tuer. Cela veut dire, aucune malédiction ne peut m'atteindre. Parce que maintenant j'ai Dieu. Maintenant je vais combattre jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que pour obtenir la victoire. Alléluia. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui aiment le cinéma. Parce que je vais expliquer pour mieux comprendre. L'acteur principal, quand on commence à lui taper comme s'il va mourir, mais à la fin, nous à l'époque quand on était jeunes, on aimait beaucoup le film de Rambo. Alléluia. À la fin, même si quand il ne prend pas son arme, un enfant va prendre son arme et lui donner, il va finir tous ses ennemis là. Alléluia. Laisse-moi te parler de Jésus. La Bible dit, lorsqu'on a arrêté Jésus, il était conduit comme un brigand. Il était conduit comme un voleur. Il était maltraité, frappé. Il ne pouvait rien dire. La Bible dit, il était comme un agneau. Il ne pouvait même pas parler, même pas réclamer sa souffrance. Il partait vers la mort. Il était silencieux.
Mais une chose que le diable oubliait, après sa mort viendra la victoire de ta vie. Après la mort viendra la victoire de cette église. Après sa mort viendra des changements de ta vie. L'ennemi ne savait pas ça. Peuple de Dieu, j'aimerais te dire, peuple de Dieu, comprenez, l'expérience des guerriers de l'Éternel fera en sorte, si tu es un combattant, si tu es un soldat de l'Éternel, tu dois savoir que ton expérience va te servir. Lorsque les gens pensent que c'est la fin, c'est alors que ça va être un commencement. Lorsque les gens pensent que ça va finir, c'est alors que de nouvelles choses vont commencer. Lorsque les gens pensent que maintenant c'est bon, nous avons pris la victoire, c'est alors que ton Dieu va s'élever. Job disait, je sais que mon Rédempteur s'élevera le dernier. Job disait, je sais que mon Rédempteur se révéra du dernier. La Bible dit, l'ennemi a touché Job de tout part. Il a touché sa richesse, il a touché sa personne, mais Job avait une expérience de guerrier de l'Éternel. Il dit, un guerrier n'abandonne jamais. Un guerrier ne lâche pas. Un guerrier ne fatigue pas. Un guerrier n'est pas influencé par des hommes. Un guerrier ne peut pas être attiré à reculer derrière. Un guerrier garde toujours le nom de l'Éternel. Parce que je suis soldat de l'Éternel. Je dois garder ma part dans la bonne relation avec Dieu. Parce que je sais, tôt ou tard, qu'il pleuve ou qu'il neige, mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Je dis pour la vie de quelqu'un que Dieu se lève. C'est pour cela que Dieu nous a dit ici, j'ai entendu les cris de mon peuple. Dieu attend tes cris. Église de Dieu, Dieu attend tes cris. Dieu sait que nous sommes en train de pleurer. Quand est-ce que nous allons quitter ces liens? Quand est-ce que nous allons partir? Quand est-ce que notre situation va partir? Ça commence à durer. Maintenant, on prie comme si des gens qui dorment, on prie comme si des gens qui ne sont pas libres. Dieu veut t'accorder la liberté, mais il t'enseigne aussi. Sache, il faut avoir l'expérience en disant, un jour, ce que j'ai traversé ceci, c'est là aussi un jour, je vais utiliser ça pour terrasser mes ennemis. Alléluia. Que tes ennemis puissent être terrassés. Ne lâche jamais parce que tu as perdu quelque chose. Ne lâche jamais parce que ta santé ne va pas. Parce que Job, la Bible dit, même ses biens, l'ennemi lui a touché même ses biens. L'ennemi a touché même ses enfants. Même sa femme commençait à dire, Job, insulte l'Éternel et tu vas mourir en paix. Je te dis toi aussi, tu ne vas pas insulter l'Éternel. Tu ne vas pas mourir parce que tu vivras. Parce que la grâce est sur toi. Parce que la bonté est sur toi. Parce que Dieu opère en toi. Cette grâce-là doit susciter des choses que toi tu n'as jamais vues, mais l'Éternel fera. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, pour que et Pharaon puisse céder pour libérer les enfants d'Israël, il fallait 10 plaies. Alléluia. Je te pose une question. Est-ce que tu peux savoir dans ta vie, tu es dans la 40e plaie? Parce que notre Dieu aime les défis. Alléluia. Ah, parce que les gens, il y a certaines personnes qui ne pensent pas. La Bible me dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, c'est alors que vous serez réellement libre. Ta liberté ne veut pas dire que tu as fini toutes les plaies. Alléluia. Pharaon résistait des premières plaies jusqu'au 9e plaie. Pharaon résistait. Mais Dieu aussi savait combattre. Laisse-moi te dire, j'aimerais t'expliquer un mystère. À l'époque où Dieu a permis que les enfants d'Israël partent en Égypte, c'était une période dont l'Égypte dominait en tout. C'était une grande puissance économique. Une grande puissance militaire. C'était aussi une grande puissance satanique. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ah bon, il y a des gens aussi qui aiment des vidéos qu'on monte à l'internet. Aujourd'hui, quand on met l'œil des francs-maçons, on met quoi? La pyramide, n'est-ce pas? C'était une grande puissance. Laisse-moi te dire, peuple de Dieu, la sorcellerie le plus fort ne fait pas trembler Dieu. C'est pour cela qu'il nous a dit la fois dernière, il peut permettre que vous soyez nés dans une famille dont la sorcellerie règne, rien que pour prouver qu'il est un Dieu puissant. Alléluia. Rien que pour démontrer qu'il est un Dieu puissant. Il avait tout, mais Dieu a fait une promesse en disant, j'enverrai mon peuple en esclavagisme. Cela veut dire, peuple de Dieu, tu ne resteras pas esclave toute ta vie. Tu resteras non plus pauvre toute ta vie. Cette église ne restera pas ainsi toute sa vie. Cette église doit changer. Peu importe, c'est juste le savoir que nous sommes au 40e plaie.
Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Si quelqu'un comprend, dit amen. Je ne sais pas, nous sommes au quantième plaie. Mais la même chose aussi pour ta vie. Tu es au quantième plaie. Parce que beaucoup de gens, si Moïse pouvait fatiguer, il dit, j'ai transformé mer rouge en rouge, la mer rouge. Mais Moïse et Pharaon n'a pas cédé. Dieu a je vais envoyer des sauterelles pour dévorer toute l'économie ou des champs des Égyptiens. Mais ils n'ont pas cédé. Dieu pouvait dire, Moïse pouvait dire aussi, bon, maintenant, j'en ai assez, parce que je vois cette histoire ne pourra pas changer. Jamais je peux avoir la victoire. Cette église aussi pouvait fatiguer, parce qu'on nous dira, on a tout cherché, on a tout fait, mais rien ne change, rien n'évolue. Mais laisse-moi te dire, ton autre Dieu, c'est un Dieu de défi. Ah, notre Dieu, c'est un Dieu de défi. Cela veut dire, moi j'ai tremblé. Il m'a dit, Jean-Félix, comme moi je suis mort et ressuscité, la mort peut être la fin. Mais quand moi je parle, quand moi je dis quelque chose, cela veut dire, c'est que les gens appellent la fin. Les gens étaient désespérés en disant que le maître est mort, le maître est déjà enterré. Pierre a dit, j'ai maintenant, moi je suis pêcheur professionnel. Malgré il m'a appelé, malgré il m'a dit, sur cette pierre que j'ai bâtirai mon église, mais je retourne aller faire la pêche. Je vais quand même aller pêcher parce que je pense cette histoire. Là ne viendra pas demain. La résurrection sera au dernier jour, comme ça a été écrit dans la parole. La résurrection ne pouvait pas faire trois jours après. Lui, il pouvait ressusciter les gens, mais qui va le ressusciter lui, comme il est mort? Mais la Bible dit, Dieu lui a ressuscité entre les morts. Dieu lui a ressuscité entre les morts. Cela veut dire, lorsque tu es là, guéri de l'Éternel, quand ta force, tu arrives au bout de ta force, la force de l'Éternel va commencer. Quand tu ne peux plus, c'est alors que l'Éternel va s'élever. La Bible dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu leur cri. Crie encore. Ganga lissus. Crie encore dans la prière. En demandant secours à l'Éternel. Dis, jusqu'à ce que je verrai un changement. J'ai vu les premières plaies, mais l'ennemi ne veut pas céder. Cela veut dire, il y a des fois, quand j'ai dit, vous appartenez à Dieu. Le diable aussi dit non. Non. La famille aussi se lève et dit non. Ils ne sont pas à Dieu. Peut-être toi tu as pratiqué des coutumes. Nous autres, on a vu peut-être des fétichés. L'ennemi ne peut pas accepter de libérer facilement. Mais sache que Dieu finira par toujours vaincre. Alléluia. Et au dixième plaie, vous savez, laisse-moi vous dire, si quelqu'un pratique la magie, permettez-moi de vous expliquer ça. Si on vous dit, un gros magicien ne peut pas mettre du sang, faire des sacrifices de sang, ça dit c'est un faux. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est un faux. Si vous partez chez l'ennemi, qu'il dit que non, vous n'allez pas faire le mal, c'est un faux. Ça dit c'est séparé. Je dis si nous avons le combat, parce que nous avons choisi un camp. Et le camp que nous avons choisi, c'est le camp de la vie. Et la Bible nous dit, Dieu nous dit, voici, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie afin que vous vivez longtemps. Nous avons choisi la vie. Et Pierre a dit, quand Jésus a dit, partez, Pierre a dit, nous ne pouvons pas partir parce que nous avons connu l'eau de la vie. Comment partir? Parce que la Bible dit, Jésus entend le nom des 70 disciples. Mais malgré le nombre des 70 disciples, des autres attendaient la royauté spirituelle. Des autres attendaient, maintenant il va devenir roi. Nous allons être ministres. Mais comment des choses n'en viennent pas? Mais ils sont partis. Jésus a dit, partez aussi, vous aussi. Mais Pierre a dit, nous ne allons pas partir parce que nous avons connu la vie. Là où il y a la vie, on ne peut pas lâcher la vie. Peuple de Dieu, laisse-moi te dire, si les hommes riches pouvaient faire quelque chose, c'est acheter la vie. Alléluia. Ils ne peuvent pas mourir comme ça. S'il faut acheter ça, ils devaient payer ça. Mais la Bible dit, ceux qui te connaissent, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le Fils, le seul vrai Dieu et le Fils Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. Cela veut dire que tu as connu la vie. Étant donné que tu as connu la vie, il y a déjà un sacrifice. Cela veut dire, laisse-moi encore t'expliquer, revenir encore en arrière. Quand quelqu'un veut pactiser, il veut sacrifier sa famille, il va offrir quelque chose du sang. Ça peut être symbolisé par un coq, par un poule, par je ne sais pas quoi. Mais il va faire couler le sang. Le sang, c'est la dernière formule qui va changer ta vie. Le sang, c'est la dernière formule qui va prouver que tu es racheté. Le sang, c'est la dernière formule qui va prouver au diable, il ne peut pas te vaincre.
Laisse-moi te dire, peuple de Dieu, je ne sais pas si tu comprends. La Bible m'apprend lors des 10e plaie. Dieu a dit à Moïse, je suis un Dieu de défis. Mais ce défi, le diable ne peut pas supporter ça. Ce défi, ça va être tellement fort, il finira par céder. Ce défi, lorsque je vais lancer cela, et Moïse s'est posé des questions. Cette fois-ci, ça va être quel défi? Parce que ça fait déjà 10 plaies. L'Éternel a l'expérience de combattre. Que tes combats ne te fassent pas trembler. Abunda déjà trop. Il a commencé à combattre au ciel. Il a combattu au jardin d'Éden. Il a combattu. Il combattra toujours. C'est pour cela, quelque part, Dieu nous a dit la fois dernière, gardez silence. Ne plaire pas. Crie seulement à Dieu, change ma situation et il le fera. Alléluia. Et la Bible m'apprend, au 10e plaie, Dieu a soufflé à Moïse. Il dit, cette fois-ci, je viendrai par la mort. Alléluia. Cette fois-ci, je viendrai par la mort. Mais écoutez-moi. Pour qu'on sache que les camps sont différents. Pour qu'on sache que j'ai déjà l'expérience de combat. On va tromper la mort. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Pas encore. On va tromper la mort. Comment vous allez tromper la mort? Sacrifier déjà un bélier. Tuer déjà un animal. Donc cela devait dire, la mort que j'envoie, il faut que cette mort-là arrive avant que cette mort, la mort elle-même arrive. Allez maintenant dans chaque maison des enfants d'Israël. Mettez ce sang-là. Alléluia. Mettez ce sang-là. Je parle d'espérance du guerrier de l'Éternel. C'est-à-dire, la stratégie de la conquête, ça ne peut pas être identique au monde. Ça ne peut pas être identique au diable. Tu dois conquérir parce que l'Éternel a des stratégies les plus propres. Il dit, je vais frapper. Cette mort, lorsqu'il va venir, il ne saura pas choisir qui. Mais tous les garçons, tous les mâles, des mâles peuvent mourir pendant ce temps-là. Il a dit, sacrifiez les bétails. Et Moïse a sacrifié les bétails. Mettez le sang dans la maison hébrée. Parce que lorsque l'ange de la mort va passer, il saura qu'ici, il y a déjà un mort. Ici, il y a déjà quelqu'un qui est déjà mort. Là aussi, il n'y a pas quelqu'un, il y a personne qui est mort. Donc, c'est-à-dire, je vais entrer dans cette maison et tuer. Dans ta vie, tu ne mourras pas parce qu'il y a quelqu'un déjà qui est mort. Le sang a coulé à la croix. L'expérience des guerriers, il a déjà fait écouler le sang dans la croix pour que la mort ne puisse pas te toucher. Il a l'expérience. Ce qui lui ouait à Bandokeye et monotepoye sa koufa déjà pour Nayo. Alléluia. Si la mort diabolique vient pour t'attaquer, qu'elle ne puisse pas te voir parce que Jésus est déjà mort pour toi. Dieu savait, il dit, maintenant je vais toucher ce que le diable ne sait pas. Je vais toucher par la mort. Peuple, laisse-moi te dire, chaque fois quand Dieu touche par la mort, il épargne toujours ses enfants. Lors des déliges, il a sauvé Noé et sa famille. Lors de Sodome et Gomorre, d'autres étaient en train de brûler, l'autre était en train de partir avec sa famille. Alléluia. Cela veut dire, lorsque la mort va frapper, tes enfants ne seront pas touchés. Ta descendance ne sera pas touchée. Parce que le sang va crier, le sang va témoigner. Ici, quelqu'un est déjà mort. Dans ta vie, quelqu'un est déjà mort. L'expérience du guerrier, tu dois savoir que toi, tu ne mourras pas. Oh, je parle à quelqu'un. Alléluia. Le diable ne savait pas que Jésus jouait déjà à l'expérience des guerriers. Pour ça, il savait que le combat que tu vas venir dans ta vie, que tu ne puisses pas échouer. Il y a un autre qui a été un homme qui a été un homme qui a été aucune plus personne puisse mourir. Dans cette église, nous refusons la mort. Parce que le sang déjà est déjà aspergé. Le sang démontre déjà il y a quelqu'un qui est déjà mort. Celui qui est mort à la croix est suffisant pour nous. Alléluia. Et laisse-moi te dire. Et la Bible nous dévoile encore, son sang est plus puissant que le sang des boucs et d'animaux. Parce que dans l'Ancien Testament, on sacrifiait des boucs et d'animaux. La Bible dit, lui, son sang crie plus fort que le sang d'Abel. Et son gang a dit, ah, voici la koufa. Ici, je suis déjà mort. Donc, ça dit, la mort ne peut pas entrer. J'ai dit, à travers ce sang, la mort-là, Pharaon doit céder. Nzambazanzamba défi. Cela veut dire, n'aie pas peur. Si tu es au premier plaie, continue. Deuxième,
jusqu'à ce qu'il finira par céder. Cela veut dire quoi dans cette message d'expérience? L'expérience du guerrier de l'Éternel. Cela veut dire quoi? Cela veut dire celui qui veut toucher ta vie, continue à combattre avec ton Dieu, il finira par tomber par terre. Ba inino ba kufa mabele mela bango na kombo na Yesu. Ba bundela kanzambe te ba tele mela kanzambe te. Gulat azo finga nzambe azo ba teke mutu zo kata na kalate. Azo finga nzambe kanda ya David ezo mata. David azakata soldate. Ma yeba kaka nzambe ona zakana ye a échoua kate. Ton Dieu n'échoue jamais. Ton Dieu n'échoue jamais. Que Goliath ne te fasse pas trembler. Il y a beaucoup de Goliath pour cette église. Ah, il y a beaucoup de Goliath. Il y a des Goliath qui appellent la police. Il y a des Goliath qui attendent qu'ils disent que demain il y aura, on est dispersé. Il y a des Goliath qui attendent que nous, ils ont bagarré là-bas. Il y a des Goliath qui veulent dire que non, le pasteur a fait ceci, on va mettre ça sur Facebook. C'est tout ce qu'ils attendent. Il y a beaucoup de Goliath. Mais laisse-moi te dire, la tête de Goliath sera coupée. Parce que nous avons l'expérience du guerrier de l'Éternel. Et celui qui est notre chef, qui nous guide, qui nous donne cette direction, il est Yehoshua Amashia. Il est un Dieu que lorsqu'il parle, même la mer l'obéisse. Moïse ne savait pas que la mer pouvait lui obéir. Mais lui savait que la mer peut obéir. Lisons Psaume 89, verset 10. Psaume 89, verset 10. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ce flot se soulève, tu les apaises. Alléluia. Ici, David parlait. L'Éternel dompte le flot de la mer. L'orgueil de la mer. Vous savez, la mer est orgueillée. Alléluia. Machete kataketa. Alléluia. Lors il dompte l'orgueil de la mer. Et quand le flot se soulève, les vagues se soulèvent, tu les calmes. Alléluia. Un guerrier doit savoir que son Dieu est capable de faire détruire l'orgueil de la mer. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. La Bible m'apprend une chose. Lorsque Jésus était au barque avec les disciples. Et l'eau était agitée. Et Jésus dormait tranquillement. Alléluia. L'eau était agitée. Mais il ne savait pas que dans cette barque, il y avait quelqu'un qui est capable de faire taire l'orgueil de la mer. Quand la mer se fâche, il n'écoute personne. Quand la mer se fâche, il ne peut pas s'apaiser parce qu'il est orgueilleux. Maintenant, c'est le mauvais temps. Mais il ne savait pas que dans cette barque, il y avait quelqu'un qui est capable de faire taire l'orgueil de la mer. De dompter des vagues. Lorsque les vagues se lèvent, il est capable de dompter. Il parlait de la mort. Il dit, réveille-toi, maître, car nous allons mourir. À son réveil, il a calmé la tempête. Son expérience va calmer la tempête de ta vie. Alléluia. La mer est orgueillée. La mer ne peut pas se séparer. Hey, faites l'expérience. Nous, quand on était enfants, quand il pleut, on dit on va barrer l'eau. On fait notre barrage. L'eau va finir par passer. Parce que l'eau est orgueillée. Il dompte l'orgueil de la mer. Et les vagues l'obéissent. Réveille-lui, Père de Dieu. Réveille-lui. Il a l'expérience face à tes problèmes. Tu ne peux pas expliquer ton problème à quelqu'un. Mais lui, il est un guerrier de l'Éternel. Nous périssons, Seigneur. Maintenant, c'est la mort. Lorsqu'il s'est réveillé, il a dit aux tempêtes, d'abord, calme-toi. Et la mer, tais-toi. Et cette parce que lui, il a l'expérience, il est le guerrier. Toi, tu dois conquérir pas par rapport à toi, mais tu dois conquérir parce que Jésus est avec toi. Toi, tu ne dois pas réussir par rapport à toi, mais tu vas réussir parce que Jésus te conduit. Toi, tu ne vas pas réussir parce que tu es une église qui aime Dieu, mais parce que celui qui a vaincu la mort n'échoue jamais. Alléluia. Tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras jamais. Parce que lui n'a jamais échoué. Toi aussi non plus, tu n'échoueras pas. La mort est corrompue. Parce qu'il sait qu'il est mort déjà, il a pris ta place.
Il y a un homme qui a pris ta place. Il y a un homme qui a pris ta place pour ta famille. Il y a un sang qui a été payé pour ta vie. Il y a un sang qui a écoulé pour ta famille. La Bible dit, le sang, c'est le prix de sang. Laisse-moi, quelqu'un ne comprend pas. S'il faut, pour délivrer quelqu'un qui est dans un pacte de sang, il faut payer le sang. C'est pour cela que vous allez se rendre compte. Lorsque quelqu'un entre dans le fétiche, lorsque quelqu'un commence à pratiquer, il va commencer seulement à sacrifier, à donner le sang. Parce que le sang là ne finit pas. Mais son sang, son unique sang, on ne peut pas le faire deux fois. Parce que son sang coule, le sang crie. La Bible dit plus fort que le sang d'Abel. Le sang crie encore. Il crie pour ta vie, il crie pour cette église. Cet sang là crie, cet sang là ne peut pas échouer. Il a l'expérience de combat, il a vaincu le diable, il a vaincu la maladie, il a vaincu la pauvreté. C'est pour cela, toi aussi, tu es un vainqueur. Tu es un vainqueur. Tu connais les secrets des guerriers de l'Éternel. Tu es un soldat, tu es appelé à vaincre et à conquérir. Que de nouvelles choses commencent. Pourquoi diable a koligato kangaba awa? Parce qu'il y a mis ma kamboza awa et bimate pour changer vie à bateau. Alléluia. Alléluia. Dimanche, il nous a dit tout ce que le diable veut que vous partez à l'église danser. Quand vous rentrez, il dit vous et moi, c'est la même chose. Rien n'a changé. Parce qu'une vie qui ne donne pas gloire à son maître, ce n'est pas une bonne vie.